chers internautes de Hippipol, aujourd'hui je suis avec Didi Dobo. Yeah, what's up? Salut, salut, salut à tout, à toutes et à tous, surtout à toutes. Voilà quoi. Ouais, Hippipol, c'est ma voix. Didi voilà. Dobo est là, calé avec le gars même qui est derrière souvent. Aujourd'hui là, le voilà, il est devant avec moi. Le seul Mavo international, rap léger du Bénin. Voilà quoi. Donc il n'y a rien à dire. Un peu de chichavi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, faut pas les encourager dedans. Hé, hey, les chéris, ne faites pas chichavi. Moi, je suis plutôt Queenie, hein, mais pas trop chichavi quoi. Swag naturel, et puis voilà, on veut kiffer la beauté africaine, la beauté mondiale, la beauté naturelle de la femme. Que tu sois asiatique ou américaine ou africaine, faut pas trop abuser des trucs, machin, tu vois. Donc il faut pas faire dessin animé, c'est ça Chichavi, 3D quoi. Ma bleu Chichavi, donc ne fais pas Chichavi. Sinon Dibi, kiffe pas ça. Lui aussi c'est sûr, kiffe pas. Ok, okay, merci, ciao. Bah, mon album il est en préparation là. Je pense que t'as quelques shootings là. Ouais. Et ça promet grave quoi. Ce que je peux dire c'est tout. Résume-nous un peu ton parcours. Bah, Didi Dobo, un jeune artiste béninois en train de faire son petit bonhomme de chemin. En 2009, le single Winnie Winnie qui a fait le tour du monde. Ensuite, plein de feats comme 12500 votes avec Arafat et Kamnouz. Singila avec African Fiesta. Chichavi, maintenant je suis en train de booster ça et je fais mon feat avec Enza Farah et plein de trucs quoi, plein de bons feelings, dibitiques. Voilà quoi, c'est le nouveau feeling, R&B Afrique, R&B Groove Afrique, Hip Hop Africain. Moi je fais carrément de la musique en général, je peux pas te dire je fais des calés coupés ou de l'R&B seulement, je suis polyvalent. Donc voilà quoi, je suis en train de préparer un gros truc là. Didi Dobo est à son premier album inter et il a sorti un premier album au Bénin, mais c'est pas international même si ça a pris l'Afrique. On appelle ça la grâce de Dieu, que je remercie. Donc là, maintenant, je suis sur le pur projet. Là, je suis déjà sur Fun Radio avec African Fiesta. En fait, est-ce que c'est toujours produit par Nouvelle Donne, ce qui est sorti en Afrique? Si. Bah, toujours. D'accord. Donc, voilà quoi. Là, je suis à ce niveau-là. Là, on est à Paname, en mode studio, promotion, donner plus de chance à la musique, à ma musique. Voilà quoi. Donc c'est ce que je peux dire sur Didi Dobo. Donc Didi Dobo après 2009, il y a eu 2010, là on est en 2011 et on est en train de frapper sur l'album inter. Et parlons de ton nouveau clip avec Kenza Farah et aussi Jackie Brown. Yeah. On a oublié. Et parlons de comment s'est fait cette collaboration. Bah ça s'est fait le plus naturellement possible. C'est voilà quoi, on a essayé de prendre contact et on a kiffé les styles les uns des autres et on a, grâce au label et tout, on a décidé d'aller en collaboration pour créer une connexion Bénin-Algérie, Afrique, Maghreb. Donc c'est ça quoi. Donc là c'est comme ça quoi, c'est comme les autres chansons. Travailler, voilà, échange culturel comme avec Arafat, c'était échange culturel. Du fond, kicker sur du décalé coupé, lui avec ses atalakou, c'était un mix parfait avec Kamnouz qui faisait du rap français pur et lourd. Voilà quoi, donc je pense que c'est toujours le même scénario qu'on essaye de perfectionner. Quels sont tes modèles d'artistes? Je n'en avais pas, mais maintenant je peux dire, moi j'aime bien Kanye West, voilà quoi. Où je peux écouter du Asha, la chanteuse nigériane. Voilà quoi, j'aime bien ce genre de son. Sinon j'étais un peu renfermé, c'est maintenant que je suis devenu un peu plus... J'écoute beaucoup maintenant, mais mes modèles là, c'est Kanye West, Wu-Tang Clan, tu vois. C'est plus rap que chanson, et pour choisir chanson, j'ai choisi direct Asha. T'as été élu récemment à meilleur album hip-hop du Bénin. Au Golden Award. Depuis trois ans. Voilà, et ça se trouve, tu as eu d'autres encore, d'autres récompenses. Plein. Tu peux nous parler un peu de ça? Bah, je pense que, comme je le disais souvent, seul le travail paie. Moi, je me dis, je ne suis pas encore félicité. Il faut que je booste. Quand tu es jeune, tu travailles. Quand tu vieillis, tu te reposes. Et tant que je suis jeune, je travaille, et quand je travaille, j'espère toujours gagner des trophées, même si en Afrique, les trophées, c'est pas...
ce qu'on dit là, c'est pas des, mais ça quand même réconfortant d'avoir une coupe en main, de dire ouais, ça c'est le meilleur single R&B, ça c'est le meilleur single rap, ça c'est le meilleur single en matière de test d'écriture, ça c'est le meilleur single hip hop, ça c'est le meilleur clip vidéo, que tu sois, que tu gagnes tout ça, soit c'est le meilleur album rap, c'est classé même ça, c'est le meilleur album R&B groove, tu prends tout ça en une année, il y a quand même de quoi te dire, ouais, du courage. Tu es du producteur, quel producteur aimerais-tu être? Franchement, je te dirais pourquoi pas, Dr. Dre. Dr. Dre, yeah. Artiste. Artiste, moi-même, franchement, je me plains pas. C'est purement dibitique, ou bien tu kiffes pas. Toi-même, tu kiffes pas, dibidobo. T'as entendu ça une fois? Oui, il m'avance. C'est ça le truc. Donc c'est nouveau et il faut être fier. Il faut créer, c'est à nous de changer le destin de l'Afrique avec de différents styles. Avec différents styles, on peut changer ce truc. Donner une couleur à la musique africaine et même répartir ça. Bon, telle zone, ils font du tel, telle zone, ils font du tel, telle zone, ils font du tel. Et c'est à nous de commencer par créer pour que des enfants, des petits fans à nous aujourd'hui qui ont 2 ans, 3 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, puissent prendre la relève et qu'on va les aider à pousser, à pousser, à pousser et donner une couleur musicale purement dite à l'Afrique. Ok, un dernier mot pour les internautes du People. Moi, je remercie tous ceux qui soutiennent la musique, tous ceux qui kiffent le site là, tous ceux qui kiffent Dibidobo, tous ceux qui m'encouragent, qui prient pour moi de près ou de loin. Je les dis merci et je promets que je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour quand même que la musique africaine ait quand même son mot à dire sur le plan mondial. Merci Divi. Et là, je refais le parti français. Parce que là, il faut que ça s'en soit. Swag. On ne le voit pas souvent, mais c'est lui qui fait le gros tube. C'est lui qui a travaillé sur les DS et plein de stars ici en France, donc on va pas trop le dénoncer. Il préfère être caché, mais c'est caldé quand même, tu vois. Quand on est d'abord. Ouais, on est là ensemble. On est là ensemble. C'est lui maintenant sur ça, donc tu sens que c'est des tubes qui arrivent encore. Là on est. C'est pas les DS, c'est les dernières cartes. On est en train de sortir les dernières cartes pour exploser le game. Boum! Ça sent du dobo, ça sent du dibi dobo, c'est clair, c'est normal, je te le reviens, c'est Missouri Mago.